Le chemin de Goku raconte des conneries sur Dragon Ball. Je dois intervenir pour rétablir la vérité. Le taux d'absurdité qui circule sur Dragon Ball, c'est incroyable. Le chemin de Goku a dit lors d'une de ses vidéos, hein, vous pouvez vérifier ma précédente vidéo, que c'est Spobovitch et Yamu qui ont maîtrisé Gohan au 25e Tenkaichi Budokai. Incroyable connerie, mais c'est pas possible de dire autant de conneries. Ah, ça allait vite, les gens. Alors, comme d'habitude, je montre le manga, hein, la source officielle. Donc, 25e Tenkaichi Budokai, Yamu Spobovitch veulent subtiliser l'énergie à Gohan. Donc, il y a Gohan qui dit « Qu'est-ce que vous me voulez ?» Page suivante. Kaioshin, ha ! Et voilà, Kaioshin a maîtrisé Gohan. Il m'a fallu 20 secondes pour trouver la source. Donc je me demande comment ça se fait qu'il y ait autant de fake news qui circulent sur le meilleur manga de tous les temps. C'est incroyable. Parce que je suis sûr, là, vous vous demandez encore. Mais encore, Isiasu, encore une vidéo où tu montres que des fake news sont véhiculés. Oui, encore une vidéo où je montre les fake news qui circulent sur Dragon Ball. Parce que j'en ai assez, en fait. Pourquoi il y a autant de conneries qui circulent sur ce manga? C'est pas possible. Les gens, je l'ai déjà dit, si vous avez pas lu Dragon Ball, lisez-le. C'est le meilleur manga de tous les temps, 42 tomes, 34 tomes pour la perfecte édition. Mais quand vous faites une vidéo sur Dragon Ball, enfin, relisez le passage du manga au moins, en fait. Il faut 10 secondes pour vérifier. Enfin, comment on peut dire que Spopovitch a maîtrisé Gohan? C'est un truc de taré. L'écart de puissance entre les deux est phénoménal. C'est un truc de fou. Je suis fatigué, les gens.